moi, c'est l'occasion de retrouver l'équipe, de recommencer la saison dans un cadre festif. Pour nous, c'est une tradition, c'est la troisième année qu'elle vient. Moi, c'est la quatrième année que je viens. Une tradition, presque. Ouais, une tradition. Ça fait 20 ans que je viens chaque année au Hockeyad, parce que c'est la fin des vacances maritimes, mais c'est le début de la saison de hockey. Pour nous, c'est le début de saison, c'est vrai que c'est le low score. C'est l'occasion aussi de voir les joueurs de près. Hein. Alors, les hockeyades, c'est une tradition depuis le début. On ne tient plus, on attend le début de la saison, c'est l'occasion d'aller voir du hockey. Parce que je vais accompagner mon copain. J'attends pas mal de Berchy, mais depuis combien de temps on en a parlé longtemps dans la presse. J'adore un joueur comme Ronald Kenins. Il va confirmer tout le bien que je pense de lui. Mitchell, que j'ai trouvé excellent, rapide, technique, il a des bonnes mains, ça va vite. J'ai vu de voir Berti. Et puis Vermin, c'est un joueur que j'aime bien, je vois comme il patine, on a vu ce qu'il a fait en équipe suisse. Contre Grossman, Mitchell, enfin il y a pas mal de joueurs qui me plaisent. Je me réjouis de voir Berti. Ouais. Et puis, puis les deux nouveaux étrangers. Tous les nouveaux. On attend une nouvelle stratégie. Doré Mitchell. Je suis assez confiant dans les nouveaux joueurs qui arrivent. Si la mayonnaise prend, je pense qu'on va pouvoir vivre une saison qui fait de la bonne. Je pense que le jeu sera complètement différent et plus intense. Et je suis ravi des nouveaux entraîneurs. C'est une grosse attente quand on voit les joueurs sur papier. J'ai trouvé que l'équipe était vraiment solide. Enfin, on espère qu'on se qualifie pour les playoffs et qu'on fasse bonne figure et qu'on aille jusqu'en demi-finale cette année.